Salut les barbus, aujourd'hui pas un épisode et un espèce de pseudo-vlog qui à mon avis est important puisque je partage toutes mes bêtises que je crée à droite à gauche et je pensais que c'est important de partager ça aussi avec vous. Comme vous avez pu le voir, j'ai loupé la publication de mon épisode hebdomadaire qui devait être l'épisode 153 où je refais, et j'ai quasiment fini, mon setup avec mes écrans, mon ordi, etc. etc. Et depuis une dizaine de jours, plein de choses qui s'en mêlent. Un, mon disque dur qui lâche. Deux, un gros coup de déprime. Et c'est vrai que sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général ou sur le web, on voit très très peu de gens qui parlent. Alors, vous voyez les moments sympas, heureux, génial, genre « Ouais, c'est génial !» mais on voit très peu quand les gens sont pas bien ou quand ils dépriment. Et c'est mon cas en ce moment. Depuis une dizaine de jours, c'est un gros coup de déprime. Pourquoi ce coup de déprime ? J'en sais rien, il y a plein de facteurs. Alors le premier, c'est peut-être, alors je sais pas si c'est du diagnostic bullshit, mais quand je suis revenu de la campagne, je suis allé voir plusieurs psys, et un m'a dit que j'étais maniaco-dépressif. Ouais, le terme qu'il utilise, c'est bipolaire, même si ça veut pas dire grand-chose, et même si ce pseudo-diagnostic est souvent remis en cause. Mais en gros, le principe, c'est que j'ai des phases euphoriques, où je fais plein de trucs, et où ça va, c'est génial. Et il y a des phases comme maintenant. Les seuls trucs que j'ai envie de faire, c'est rester dans mon pieu et dormir. S'ajoute à ça un petit coup de gastro qui à mon avis est fortement psychosomatique. Et depuis une dizaine de jours, grosse déprime. Et quand je déprime, je fous rien en fait. Alors que j'ai une liste longue comme le bras, dans mon cahier magique, de trucs à faire, j'y arrive pas. Je passe mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder des conneries, et ça avance pas. Je ressasse des trucs. Donc déjà, il y a le fait que ma fille est en vacances avec sa mère pendant tout le mois de juillet, et qu'elle me manque, cette vilaine. Ensuite, il y a les problèmes de pognon, évidemment. Alors, je veux pas du tout que ça ressemble comme une espèce de complainte, ou le vilain barbu qui se plaint « Oh là là, je suis pas bien, là là là. » Mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. J'ai des problèmes de pognon, il y a des contraintes, où je suis obligé de payer des trucs. Bref, c'est pas dramatique. Mais ça rajoute un poids. Et en ce moment, je me sens pas bien. Je me sens gros. Enfin, je suis gros. Il y a une différence entre être gros et se sentir gros. Mais je me sens gros, pas bien, j'ai pas de meuf, ça me fait chier, enfin voilà. Et au boulot, c'est compliqué, on va dire. Voilà. Donc, plein de choses qui font que ben, c'est pas génial. Et en général, ce qui me remonte le moral, ben, c'est de balancer des vidéos et de faire des conneries avec mes doigts. Et de ce point de vue-là, il y a des trucs qui sont géniaux. Il y a les barbutipeurs qui me filent du pognon pour que je continue à faire mes bêtises. Et je les en remercie encore une fois. Il y a de plus en plus de gens qui laissent des commentaires, qui s'abonnent, qui regardent mes vidéos. J'ai plein de projets géniaux. J'ai au moins une dizaine d'épisodes de prévus. Il y a les amis de l'aimant qui m'ont renvoyé du matos de ouf, une perceuse à colonne, une espèce de ponceuse stationnaire géniale, et une scie circulaire sur table. Et en plus, je suis en train de faire un partenariat avec les amis de la recyclerie de Montgeron, qui est pas très très loin de chez moi, en gros à 15-20 km, un truc comme ça, 15 km. Et qui me file de la place pour installer ma future grotte. Et en échange, ils auront accès aux outils pour pouvoir fabriquer et réparer des trucs qu'ils vont pouvoir revendre. Donc si on regarde d'un point de vue complètement objectif, j'ai pas de raison d'être déprimé. Mais je le suis. C'est quoi la solution pour sortir de la dépression ? Il n'y en a pas vraiment. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Je vais essayer de me bouger le cul le plus possible, et puis prendre les problèmes un par un, et essayer de les résoudre, ou en tout cas essayer de trouver des pistes pour les résoudre. Et je voulais juste partager ça avec vous, et
Si jamais il y en a certains qui regardent et qui eux aussi sont déprimés, voilà, je voulais vous dire, vous n'êtes pas les seuls, c'est pas une honte à être déprimé. Ça arrive à tout le monde. Et moi, le signe de ma dépression, c'est que ben, je réalise pas de vidéos. Et je suis en retard sur plein de projets. J'ai 2 vidéos que je dois finir pour Rico, qu'il faut que je fasse là. Faut que je me bouge le cul, sinon Guillaume va me taper les couilles avec des marteaux. J'aime pas être en retard en plus. Mais à chaque fois que j'essaie de m'y mettre, eh ben, ça marche pas. Donc c'était juste pour faire une espèce de contrepoint à cette culture YouTube et générale des médias sociaux, qui ont en général tendance à montrer les bonnes choses qui arrivent. Ouh, vous mangez un bon steak, vous êtes avec vos copains, ah c'est trop bien, vous buvez des bières et tout. Et qui met un peu sous silence cette partie un peu méconnue des gens que vous voyez tous les jours, qui est que tout le monde a des problèmes au boulot, avec sa meuf, avec son mec, le banquier les fait chier, etc. Et je suis comme tout le monde, ça m'arrive. Si vous êtes déprimé, tenez bon, tenez la rampe, et puis voilà. Donc, dans les jours qui viennent, plein de nouveaux épisodes qu'il faut que je tourne et qu'il faut que je me bouge le cul. Voilà une vidéo un peu intimiste et semi-débile pour juste dire que on reste humain. Voilà. Donc on a des fails, comme pour la barbitude. Je crame des trucs, je casse des machins, je me fais mal. Dans la vie de tous les jours aussi, il y a des fails et en ce moment ça va pas bien. Voilà. Mais ça ira mieux. Voilà, que la barbitude saute avec vous. Et à bientôt.